Salut tout le monde, ici Stéphane LG83 et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Donc on se retrouve pour un déplacement sur la pelouse du Parc des Princes. Match de Ligue 1, donc très important sur la pelouse du premier de ce championnat. Donc je ne sais pas si dans cet épisode il y aura un ou deux matchs. Car après on va jouer Guingamp, mais je ne sais pas. Guingamp est pour l'instant 7ème et à voir s'il passe dans les 6 premiers ou pas. Allez, donc c'est un match vraiment très important au Parc. Le Paris Saint-Germain contre l'AS Saint-Étienne. Bonjour, c'est avec bonheur que Darren Tulet et moi-même, Grégoire Margoton. Allons c'est parti. La rencontre PSG. Ladies and gentlemen, j'espère que vous êtes aussi impatients que nous. Avec Kimpembe pour Fabregas, qui recule directement pour Areola. Alphonse Areola qui va allonger vers Kylian Mbappé. Devant de la tête par Kurt Zouma. Marco Verratti pour Cesc Fabregas. Fabregas pour Neymar. Neymar face à Bentancur, Rabiot, Verratti avec Fabregas pour Lucas Moura sur le côté. Lucas Moura, attention à ce beau ballon pour Kylian Mbappé. L'arrêt de Karius. L'arrêt de Karius qui va nous sauver. Et le ballon pour Bentancur maintenant. Avec Aaron Ramsey. Ramsey pour Alario. Alario, oula, mal donné ce ballon d'Alario avec Rabiot. Pour Kylian Mbappé, Neymar, Neymar face à Piszczek, il va passer le bon ballon et la sortie de Karius qui vient nous sauver. Avec Rudiger pour Piszczek, Piszczek, Bentancur, Ramsey, Marco Reus avec Alario pour Reus pour Bentancur, la montée de Bentancur, Reus l'est mal emmené, celle-là dommage. Oh dommage Bentancur, le mauvais contrôle mais c'est pas grave. Et Bentancur justement qu'on va retrouver au corner pour Hassan Djoussé, il a enlevé, ça revient. Oh là là, et Paris qui va se dégager dans la douleur. Dommage, avec Kurt Zouma. José Gaya pour Hassan Djoussé, José Gaya encore une fois. José Gaya qui va monter, repris avec Marco Reus. Marco Reus pour José Gaya pour Aaron Ramsey. Aaron Ramsey vers Hassan Djoussé. Hassan Djoussé qui a un peu d'espace et qui va tirer ses contrées. Ça partait bien. Ce sera un nouveau corner en faveur de l'AS Saint-Etienne. Bentancur. Bentancur. C'est bien tiré. C'est sauvé. Oh là là, c'est sauvé sur sa ligne par le Parisien. Et malheureusement, Bentancur va toucher ce ballon avant qu'il ne sorte en touche. Ce sera donc une touche en faveur du Paris Saint-Germain avec Daniel Alves. Kimpembe. Vers Adrien Rabiot. Rabiot pour Lucas Moura. Face à Djoussé, c'est passé avec Kylian Mbappé. Il va changer de côté. Bentancur, super retour. Pour Piszczek. Aaron Ramsey. Hassan Djoussé. Ramsey. Bentancur. Avec Piszczek. Pour Leroy Sané. Leroy Sané pour Ramsey. Attention à la bagarre. Ramsey. Oh, Djoussé qui va. Les Stéphanois qui vont s'en sortir. Hors jeu. Ah non, faute. Pas de hors jeu, mais faute pour l'AS Saint-Etienne. Avec Thiago Silva qui prendra donc un jeune Aaron Ramsey pour Leroy Sané qui va resservir Ramsey. Le centre de Piszczek, c'est au second. Et dommage, c'était pour Reus. Mais c'est récupéré par les Parisiens avec Lucas Moura pour Rabiot. Verratti. Long ballon et c'est la mi-temps. Saint-Etienne fait pour l'instant 0-0 sur la pelouse du PSG. Un match nul assez logique. C'est donc sur ce score de 0-0. Et on va essayer donc de ouvrir le score dans cette deuxième mi-temps. Piszczek avec Leroy. Ouh lo. Non, arrêtez, tu vas pas dire que c'est faute là. Oh là là, c'est faute de Youri Berchich. Oh, c'est limite, hein. C'est jaune orangé. Oh là 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 là, ça c'est vraiment jaune orangé ça. Oh là là, quelle faute de Berchich avec Bentancur à tête d'Alario, c'est repoussé, attention. Avec Mbappé repris par les Stéphanois, Neymar pour Mbappé qui va redonner à Neymar, il a fait la différence Neymar, attention Neymar, arrivé de Zouma, le centre extérieur et super. Le retour et derrière c'est... Ouh là 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 là, mais arrêtons. Non mais arrête. Non mais regardez-moi ça. Non mais... Oh, oh, c'est rouge. Oh, sans déconner, Mbappé qui va sortir, remplacé par Cavani, bah, il s'en sort bien, ouais, parce que là ça mérite rouge ça, mais attendez, dans les airs il a pris, il a fait une prise de judo le mec, sérieux quoi, sérieux, et le ballon, bon ballon, allez, avec José Gaya,
José Gaya, le centre, il est passé devant. Et l'ouverture du score, elle est signée. Lucas Alario. Sur ce ballon de José Gaya, l'AS Saint-Etienne ouvre le score sur la pelouse du parc et réalise un énorme exploit provisoirement. Quel ballon de José Gaya et Alario qui fait claquer ce but. C'est Paris maintenant, poussé par leur deuxième homme. Ils vont essayer de revenir, réduire, mais les Stéphanois s'arrachent. Les Stéphanois s'arrachent. On sent vraiment qu'ils le veulent ce match. Il est très 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 important pour la suite de la saison. Fabregas avec Verratti. Cavani, Fabregas, le ballon pour Dani Alves, c'est laissé passer, Dani Alves il est passé, attention, Cavani qui va couper, mais Rudiger qui passe devant, Bentancur pour Alario, et Alario qui va conserver à la perfection, le Rostanek c'est bien joué, que c'est bien joué pour Marco Reus, le sang pour Alario, et Kimpembe qui va bien se placer, Lucas Moura, face à José Gaya et conserve, va servir maintenant Cavani, Cavani, qui recule avec Adrien Rabiot pour Neymar, Neymar face à Piszczek avec Yuri, Yuri pour Neymar, Rabiot, Rabiot, le petit ballon, attention, oh super, oh là là, cœur Zuma, le petit pont derrière, oui s'il vous plaît, oui monsieur Zuma, avec, oh là là, si ça, ça va au bout, oh si ça, ça va au bout avec le petit pont au début, Marco Reus, Marco Reus, il accélère, le centre pour Alario, et ça ira au bout, le doublé pour Alario, et la victoire est quasiment acquise pour la AS Saint-Etienne, le silence au Parc des Princes, comme d'habitude d'un côté, Saint-Etienne mène 2-0, sur la pelouse du Parc des Princes, avec cette tête d'Alario. Et Pastore va remplacer Lucas Moura. Avec Verratti, Kimpembe, Fabregas, Dani Alves, 13 minutes pour Paris, avec Pastore, Fabregas, Cavani, Cavani qui est en une touche, c'est pour Pastore, attention Cavani, c'est pour relancer, l'arrêt de Karius, l'arrêt de Loris Karius, qui est important, ce sera un corner en faveur de Paris, Fabregas, pour le tirer, c'est repoussé. C'est parfait avec Yuri, c'est la remise, attention pour pas le prendre, et but Verratti, ça fera 2 buts 1 pour l'AS Saint-Etienne, il va rester 8 minutes, attention. Tout est relancé. Ça peut faire une fin de match de folie. Attention car le Parc des Princes se réveille, ce qui est rare. Ce qui arrive même jamais. Avec le Leroy Sané, pour faire une différence, oh là là, pour remettre un silence, le Leroy Sané, quel match de fou, et l'arrêt, l'arrêt, oh là 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 là, l'arrêt d'Areola, avec Neymar, Neymar le contre avec Cavani, Cavani, il conserve, face à Kurt Zuma, qu'est-ce que ça se bat, attention Cavani, il faut l'arrêter, Kurt Zuma, il va passer devant sans faute, Kurt Zuma qui allonge, oh c'est fini, il faut siffler. Il faut siffler avec Thiago Silva. C'est reculé. Attention, Yuri, c'est fini. Saint-Etienne va gagner 2 buts 1 sur la pelouse du Parc des Princes. Saint-Etienne réalise un énorme exploit. Et similaire un peu à celui d'il y a 6 ans dans la vraie vie. Et c'est parfait car ça nous relance vraiment cette victoire. On est 6ème à 6 points de Paris maintenant. Victoire 2 buts à 1 sur la pelouse du parc. Et quelle était importante. Alors on va voir si le match de Guingamp sera en vidéo. Alors on a une offre pour AZB et Pedro León. Donc pour AZB c'est Lyon, donc on va refuser. Pedro León. J'ai recruté un autre... non, Pedro León on va refuser. Attendez, quoi que... Yago Folke, ouais. Attendez, je vais regarder. L'offre elle est pour combien? Attends. Déjà AZB on refuse. Pedro León. Pourquoi pas, franchement, pourquoi pas accepter? Salaire 3 500 000. Et le salaire de Yago Folke. Comment ça, comparaison? J'hésite hein.
Allez, on va demander à Iago Falque et on va attendre pour Pedro León, voir s'il répond ou pas. Donc pendant ce temps-là, on va dans Info Compétition, on va dans Championnat de France de Ligue 1. Et Guingamp est 9ème, donc non, ce sera pas en vidéo. Donc rendez-vous pour le prochain épisode, normalement face au Real Madrid, et normalement face à l'Olympique de Marseille. Donc sur ce, salut tout le monde, et à la prochaine.